Bonjour Minecrafter, ici CellB35 pour le nouvel épisode de Diversity en compagnie des neiges. Et donc retour en tout hub classique, rien du tout. Bouh. Il me fait peur le connard. Eh, c'est RP en plus. Ah oui, d'accord, on va prendre ces deux têtes pour nous. L'intello et le mec flippant. L'intello et le mec flippant. Et ça nous correspond bien en plus. Tous deux pêcheurs. Oh, un canard. One fish, two fish, red fish, blue fish. Attends, vas-y, tu prends la tête de canard et tu lis ce qu'il y a écrit sur le panneau. Vladimir Z. C'est tête de Vladimir. Alors, combien tu vas te donner? Bah, 3. Bon, moi je lis ce qu'il lui dit. Hop. Lui, ce qu'il dit, c'est. Who are we kidding? Who are we kidding? We got no arm to catch first. Fish. Je sais pas dire. De Nana. Moi, je suis un mec méchant. Moi, je suis un intello aux lunettes. Quelle classe. Garde-le sur toi, la tête de l'intello, et va reposer le canard. Mais c'est la tête de Vladimir. On laisse en paix la tête de Vladimir. Encore une victoire. On va jamais tout lire. C'est encore une victoire. On va jamais tout lire. Hein. Canard. Attends, là-bas, j'ai jamais regardé ce qu'ils disaient, ces deux-là. Oh, bordel de merde. On va jamais tout. C'est la tête de la casquette de Don Pasqualino, ça. Et c'est complètement la casquette de Don Pasqualino, ça. Peut-être. D'ailleurs, c'est une chaîne cool, Don Pasqualino. Hein. D'ailleurs, j'ai la tête de Jeb. De Jeb. Bon, j'enfile celle-là et je laisse les autres en paix. Hein. Sauf si j'en trouve. Regarde, regarde la tranche que ça me donne avec mon truc. Sauf que la vraie tronche de la tête de Jeb, c'est... Attention, révélation. Voilà à quoi ressemble la tête de Jeb. Et maintenant, c'est devenu un mouton. Bah non, vu que c'est sa tête et que ça change aussi en fonction. Ah non, mais là, c'est le Jeb sans la majuscule. Ouais, là, c'est le Jeb sans la majuscule. Bah, y a pas de Jeb avec. Hein. Ah bon. Bah tiens, bien. Et si on rentrait dans le château? Hey, l'intello à lunettes, il se calme, hein. Moi, je suis le vieux savant avec une dot de capuche. Le King nous attend. Est-ce que les gens pourraient être vrais? Est-ce que vous êtes venus pour avoir la laine sacrée pour l'orangissime? Je suis le bon roi Steve. Donc, nous avons attendu longtemps pour votre arrivée. Et maintenant, le jour est enfin arrivé. Je vais vous dire pourquoi vous attendez. Mais d'abord, ayez la. Comme le dit la légende, vous devez prouver votre héroïsme. Bon, je fouille le château, moi, à part donc, ça. Le, hein, le méchant Lord Zombie. You must destroy him. Blablabla. L'adventure en anglais, ça aide pas. Hein, c'est pas cool. En gros, faut tuer le méchant zombie. Faut tuer le gentil, tuer le méchant. Voilà. T'as tout compris, CLB. C'était dur à comprendre. Je suis le roi du... Pas par là. Je suis le roi du monde. Et je pêche dans les douves. Bon, moi, j'ai trouvé... Bon. Tant. Tu peux voir sur quel tour tu es. Ah oui, d'accord. Vas-y, fais le roi du monde encore comme tout à l'heure. J'ai pas vu, moi. Je suis le roi du monde, connard. Pas comme si je m'attendais pas. Hey, ah merde. Tu t'es fail. Ah, tu t'es fail.
Je voulais te pousser, justement. C'est pas comme si on savait pas que le roi zombie était dans la forêt sombre, était dans le du côté de la forêt sombre. Genre. Ceci n'était pas du tout prévisible. Ouais, l'histoire n'est pas du tout cliché de manière globale. Et nous, on se bat à la canne à pêche. Mais à part ça, tout va bien. Mais on va le tuer, le Lord Zombie King. Le Evil Lord Zombie. Le Evil Zombie Lord. N'empêche, il va se faire chier pour y faire toutes ces pancartes. Ah là, on est passé en biome. Pancartes que personne ne lirait au bout de 10 minutes, ils comprendront que ça sert plus à rien. On est en biome quoi? Et c'est où les biomes écrits ici? C'est. Je ne trouve pas moi. Je les trouve en 1.7 et en 1.8, mais là je trouve pas. Je crois qu'on est en biome. Je crois qu'on est en biome end. Ah bon? Ah bon? Le ciel. Ah bordel. Mais ouais. Le ciel sombre, c'est le biome end, normalement. Ah mais là la limitation est tellement fixe, ça fait bizarre. Nuit. Jour. Oh, ce n'est pas comme si on s'approchait du château du méchant. Nuit. Jour. Nuit, jour. Nuit, jour. Oh, attention, ceci est mortel. Ce ravin est dangereusement mortel. YOLO! Oh là là, quel ravin dangereux. Ouais, très dangereux. Connard. La porte va y tomber. Et y'a... Bruti. Y'a Bruti, c'est quoi ce nouveau mot? Y'a Bruti, c'est ce colonel Riel cherche pas. Mais j'ai jamais entendu. Bon, écoute, tu vas me foutre la paix maintenant et... Non, ce n'est pas le château du méchant quand même. C'est pas comme s'il était rouge foncé et qu'il avait du feu. What do you want? Go away. Rien à foutre. Je te somme sur la tête. Fuck you. You're not wanted here. Vous n'êtes pas venu demander ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Oh, un coffre. Il y a un bouton. Oh, des patates. Wait, don't kill me, listen to what I have to say. Elle est pas très dynamique, cette map aventure. Ouais, c'est pour ça que j'aimerais bien me diviser ça. Ah, le King a menti. Son nom est Evil King Steve. Evil King Steve will never give up the... Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Mais c'est ce qu'il dit, hein, écoute. Bon, je m'en fous de ce qu'il dit. Oh ouais. Connard. En gros, ça serait le roi gentil, le roi soi-disant gentil qui serait le méchant. Voilà. Sachant que lui c'est un zombie et que le gentil c'est un gentil Steve. Je suis le roi du monde. Mais ça pour de vrai. Copier-coller. Mais avec des blocs différents, wesh. Tépais-toi. Genre. Hé, connard. Ah. Et attends, bouge pas, juste pour voir un truc. Non, on peut pas s'attraper à la canne à pêche en 1.6. Mmh. Par contre, à part que j'ai de la souris qui décide de bugger à mort. Ah, voilà. Ah ah. Bon, on se give la laine, ça sera moins chiant. Et bah, décidément, y a pas beaucoup qui. Mais c'est que c'est. Attends, le coffre. Le coffre. C'est vrai que dans ma aventure en anglais avec le scénario cliché mal dynamisé en plus, c'est bon. Ouais, c'est chiant. Là, la diversité 2 est beaucoup mieux. Et elle a aussi la bonus room. Sauf qu'elle est mieux faite. Donc on va faire un return to hub. Et pour ça, il suffit de se kill. Non. Si, tu vas voir pourquoi. Oh tiens, celui-là, je l'avais jamais vu, ce zombie tout seul. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un historique. Lally, you came out this way to raid my... En gros, vraiment, t'as fait tout le chemin pour lire mon panneau abruti. Connard! Je te rejoindrai dans la mort! Et là, retourne to web.
Return to web. Et donc bon. C'est Adventure, c'est ça? C'est Adventure, ouais. Voilà. Et ouais, donc on l'a skippé, c'est Adventure. Il reste plus que le boss fight, donc épisode final de Diversity 1, la saison 1. Et tu glitches, tu pistons. La prochaine fois. Donc j'espère que ça vous aura plu en ce qui me concerne. Ça part un petit peu en couille, mais bon, pas trop. On fait ce qui nous plaît, hein. On y va pour le fun, on essaye pas d'être rigoureux et de faire une grosse performance. La map qui me donne envie de passer des heures dessus n'est pas encore née. Donc sur ce, je vous dis au revoir. C'était CLB. Putain, Geoff, qu'est-ce que tu fais? Je me suis suicidé. Ok.